Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner si c'est déjà pas fait. Mettre un petit pouce bleu tout de suite en bas de la vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Et puis on est parti, je vais rejoindre donc mes collègues et c'est parti. Donc les amis, on est parti donc chercher un château, on a trouvé le château. Malheureusement le site était vachement surveillé, donc on a alerté un gardien à cause des chiens de garde. Du coup on s'est retranché donc sur une autre ville qui était pas loin pour un autre château, le château de Gryffondor. On l'a trouvé, il est en face de nous. On va trouver un moyen d'y rentrer et si on y arrive, on continuera tous ensemble cette petite vidéo. Bon les amis, on est rentré sur le château. Dans la forêt du château. Par contre, je vais faire pipi en attendant. On va essayer de rentrer. Et là, si on n'y arrive pas, on repartira. Le chemin est tout droit. On va essayer de mieux trouver le château. On va essayer d'avancer discrètement. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Après 20 minutes de recherche dans la forêt et perdu dans la nuit, on arrive enfin à trouver le château. Nos premières secondes sur le lieu sont très impressionnantes. On a cette espèce de grande bâtisse qui se dresse devant nous. J'ai décidé de mettre ma voix par-dessus l'enregistrement car à ce moment-là, j'ai vraiment aucun mot qui me vienne à la bouche. Les premières secondes dans ce bâtiment sont très longues. L'atmosphère est très très spéciale. On peut voir toutes sortes d'objets au sol. On peut voir des traces de vie de gens qui sont venus visiter le lieu et qui n'ont absolument pas respecté le lieu. Ce lieu est très fréquenté. Pendant presque, je dirais, une demi-heure en fait, personne ne va oser parler, car on est vraiment à l'affût du moindre bruit. C'est vraiment notre première expédition dans un lieu aussi grand, aussi confiné. Que celui-là. On est vraiment impressionné par la taille des pièces, le nombre d'objets qui se trouvent sur ce lieu. C'est vraiment super impressionnant. C'est très très beau. On trouve enfin ce fameux escalier en colimaçon qui était juste magnifique. Très très beau. Ça va être chaud, on monte ou quoi? Après, je vous avoue que l'atmosphère à ce moment-là était vraiment tendue. C'était vraiment un drôle de mélange entre peur et émerveillement. Vous pouvez voir la tapisserie qui est juste magnifique, qui je pense doit être la forêt par laquelle en fait on est passé pour trouver ce lieu. Vous pouvez voir un peu le moulage sur l'escalier qui est juste somptueux. Encore une escalier.
Y a quelqu'un? Après plusieurs minutes, on tombe sur une pièce vraiment étrange. Comme si une mise en scène avait été préparée. Une petite séance ici, ça peut le faire. Et on a donc décidé de commencer une expérience paranormale. À savoir si le lieu était hanté ou non. Donc là, vraiment, le lieu est super grand. C'est assez glauque. D'annoncer la phrase ou pas? À ce moment-là, je lui propose d'amorcer le contact avec les esprits. Ça peut vous paraître stupide, mais prononcer ces mots seul dans la nuit, ça peut faire très bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Si oui, faites un bruit. Vous tapez sur quelque chose, une vitre. Le K2 a réagi. C'est un mur. Mais je pense que c'était dû à mes lumières ou mon téléphone. J'ai le cadeau qui bouge, mais après je sais pas si mon téléphone. Approche-le pour moi. Au pire, prends-le toi si tu veux. Ah là, t'as mis ton. Non, attends. Donne sur moi. T'es sur toi. Tu veux que je me mette en mode admin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec nous ce soir? Si oui, est-ce que vous pouvez vous manifester? Vous pouvez vous approcher de nous? Ça va pas aller. Hein. On continue la visite. Ouais. Après, sachez qu'on n'est pas là pour faire du mal ou quoi que ce soit. On est juste là pour avoir quelques réponses à nos questions. Savoir si voilà, il y a quelque chose après la mort. Si on reste sur Terre, hanté, le lieu où on est décédé, ou si nous tient plus à cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce qui voudrait s'exprimer ou essayer de nous parler? On est venu pour vous, si vous voulez venir me parler. Je suis là pour vous écouter. Est-ce que vous voulez être sûr de ne pas venir me voir? Je vais pas tarder à partir, donc ça va être votre dernière chance. Vous avez juste à vous approcher de moi. Bon. Ça, ça me paraît bizarre, tu vois, ici, ça ressemble à une genre d'infirmerie. Tu vois, t'as toutes tes compresses, machin, antibiotiques, pansements. Donc, je vois pas du tout ce que ça pouvait être. Je sais pas. Mais non, à casser la dalle. Y'a quelqu'un?
Je voulais juste savoir s'il y avait quelqu'un avec nous ce soir. Si vous pouvez vous manifester, vous approcher de nous. Qui n'avait rien d'autre à foutre que de venir voir l'histoire à 22h24. Il est quelle heure, les copains? Il est quelle heure? Eh ben, pour niquer des mères, c'est joli, mais mal poli. Ok, très sympa. Donc on est à Gryffondor, les amis. Il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Vous pouvez nous suivre si vous voulez. Si vous voulez nous parler, faites vite qu'on va pas tarder à partir. Les amis, montrent en petit sous-sol, c'est parti, on y va. Toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Si oui, n'hésitez pas à vous approcher. Oh la vache, ça descend encore en bas. Putain de merde. Il y a quelqu'un? J'imagine. C'est quoi ça? Ouais, c'est mes appareils. Donc ici, on doit sûrement être dans la réserve. Toute la vaisselle qui est pétée. Je vais pas marcher. Je vais me couper les yeux. Beaucoup rentrer par ici. Donc là, les amis, on est sur la pièce principale. C'est là sûrement où les gens recevaient des visites, regardaient la télé, se détendaient, devaient bouquiner, j'imagine. Voilà. J'imagine vraiment le truc
avec toutes les personnes en chemise qui s'asseyaient. Ça devait vraiment être quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment magnifique avec la grosse table. Ça, les amis, ça doit valoir des millions. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous invite à poster votre petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à la partager sur Facebook. Donc là, j'étais avec Anthony et Marjo, collègues de taf. Ça va être leur première vidéo sur leur chaîne. Donc je vous mettrai le lien en bas si vous voulez aller checker ça. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.